Ah oui, la station, sur 1351 de Dundee 33. Oh, mais oui, c'était pas là. Ah, ok. Ah, si, justement, j'étais en train de. Et je commençais à te répondre quand j'ai entendu causer dans ma boîte. Ah, si. Ouais, mais ouais. Bon, je suis pas loin de toi, moi, là. Je suis à la. Voilà, donc. C'est pas mal placé là justement ici là, on réceptionne bien. Ah bah oui, tu m'arrives avec un bon Santiago 7. Bon, ça va pas durer parce que là je repars direction Langon, donc ça va très rapidement descendre, mais bon. Ouais, ici c'est pareil, ça passe bien, c'est nickel. Et 73-51 la station que j'ai entendu très très QRP là de mon côté là sur Sainte-Colombe de la part de Dandy 33. Ouais ben là je vois que t'as fini ton dépannage alors. Ouais affirmatif, ouais, là pour moi c'est la galère. Je suis sur plusieurs coopératives là, au niveau de la maintenance, donc voilà, ça rappelle toute la journée, voilà, donc je fais que ça. Et là ils ont appelé ce matin à 5h30, c'est en panne. Bon et bien c'est parti. Ouais, attends, on va laisser un petit blanc. Où est la station derrière? Bon, ça reprend pas. Désolé, la station derrière. Il y a quelqu'un qui est beaucoup plus près, qui du coup ne t'a pas permis de passer par-dessus. Hachi trois coups. Ok. Bon, en tout cas, ouais, et puis l'état des routes, là, avec les vendanges et tout, je te dis pas, quoi. Oh la vache. Là, c'est vrai que j'ai intérêt à me méfier si je prends la moto. Ah, attends, ça parle. Ah, 73 de Michel, de Stéphane. Eh ben voilà. Ah, je crois que, parce que c'est très très QRP de mon côté, là c'est assez compliqué à sortir. Si le retour de micro a été fait sur moi, et sur 1351, la station de la part de Dundee 33, là au QIRA, je sais pas de quel côté tu es, mais j'ai du mal à. Attends, waouh, putain, j'ai pas les. Pourtant j'ai pris mon petit déjeuner ce coup-ci, mais j'ai pas les neurones en place, quoi. J'ai du mal à aligner trois mots. Et de la surmodule. Mais c'est qu'il y a du monde de partout ce matin, quoi. Et Stéphane, c'est là je suis en train de faire une micro vidéo, hein, et tu verras, et c'est pas très épais de mon côté, mais dans le fond du fond, on entend qu'il y a de la cacophonie, quoi. Ouais, affirmatif. Alors là, il y a l'ami Michel et Eric là, qui sont du côté de Bazas. Voilà, moi je les entends un petit peu mieux que toi ici. Donc voilà, c'est une station avec qui j'ai l'habitude de discuter. Voilà. Donc, mais effectivement, ça doit passer un petit peu petit de ton côté parce qu'ils sont complètement à l'opposé. Moi, j'ai l'avantage de me trouver à peu près au milieu de tout le monde. Donc, Hachi, ça passe bien de mon côté. Voilà, Michel, si tu m'entends, écoute 73-51 à toi. Et je suis donc avec Dundee 33, Rémi. Voilà. Retour au micro, Michel. Ah, il y a encore la situation. Je l'entends loin, mais de mon côté, c'est trop petit. Voilà. Ok, voilà, j'ai branché la caméra habituelle. D'accord, on va tester ça alors. Ce que j'ai fait avec le téléphone sera mis en début là, du montage vidéo. Il n'y a pas de souci, on va s'amuser. Ouais, mais il y a une autre station là, hein. Je ne sais pas si tu l'as entendu, je prends du côté de Bordeaux, j'ai entendu. Mais là c'est petit, hein. Moi je suis dans le derrière de Blasimont, là, dans les bas-fonds, donc c'est pas évident pour moi de sortir. Ok, d'accord, ben moi ça passe bien encore de mon côté, hein. Là il n'y a pas de souci, hein. Ça cartonne encore pas mal, hein. Tu m'entends petit? Oh, t'es sûr que tu m'entends petit? Non, pas toi, ça passe très bien, non. Mais déjà il y a une autre station qui s'est signalée là du côté de Bordeaux, mais pour moi c'est très bien petit, voilà, donc je me disais que peut-être de ton côté tu l'as entendu plus facilement que moi. Ok, compris. Bon, faut que je me foute des baffes là, que je me réveille là.
Là, il m'arrive pas là. Bon, j'ai de la chance là, pour l'instant, j'ai pas trop de QRM, quoique ça dépend où je vais. J'ai un voisin qui me balance là, je sais pas, c'est si bizarre ce qu'il a comme ce qu'il a branché comme truc chez lui. Mais suivant les fréquences où je vais, je me retrouve avec du 9 plus 10 de QRM. Et d'autres fréquences où ça chute carrément. Là, la minute même, bon, j'ai de la chance, j'en ai juste un peu, c'est juste un poil. Bon, ça va, faut que j'en profite là de suite. Ouais, affirmatif, je connais le problème, voilà. Je connais aussi. J'ai assez cherché, bon, moi, ça arrive chez moi, mais bon. On peut pas incriminer les voisins pour le coup, mais ouais, c'est pénible quand c'est comme ça, ouais. Voilà, mais bon, c'est les joies de la radio. Ouais, surtout que c'est un appareil qu'il a depuis peu hein, chez lui. Hein. Je sais pas ce que c'est. Donc oui, ils sont à quoi les, on va dire que la baraque est à 50 mètres, hein, à 50 mètres du QRA. 9 plus 10 de parasites, là, suivant les fréquences où je vais. Il n'y a pas très longtemps, j'ai attrapé, là, j'ai un petit portable, là, un Eurocibi Pro 550. Alors j'ai sorti l'antenne, parce que bon, j'ai beau me tourner dans tous les sens, de toute façon ça m'arrivait plein pot dedans avec. J'ai sorti l'antenne, et à la place j'ai pris une petite aiguille là, à coudre. Alors ça fait quoi? Ça doit faire 5 cm à tout casser, quoi, que j'ai mis à la place de l'antenne. Et en avant que je suis parti me balader sur la route, jusqu'au moment où je suis tombé pile sur la fenêtre, parce que là ça s'est fait vraiment à, allez, on va dire à 50 cm près, puisque le fait de me tourner devant la fenêtre me faisait baisser à nouveau le signal. Je suis tombé pile sur la fenêtre où derrière il y a une saloperie d'appareil, je sais pas quoi, qui me fout un parasite du diable. Et oui, comme tu dis, dans ce sens-là, c'est compliqué d'y faire quelque chose. Ouais, effectivement, je comprends. Quand c'est comme ça, c'est pas marrant. Et l'idée ne t'a pas traversé l'esprit éventuellement d'aller voir s'il pouvait te renseigner sur ce qu'il avait pu installer qui pourrait créer les parasites, quoi. Oh, bien sûr que si. Mais là, enfin, je pense que c'est le fils qui a dû brancher quelque chose, puisque lui, il est maintenant, depuis quelques années, il est à son compte, dans le espace vert et compagnie, quoi. Mais je vais y arriver. Mais la maison appartient surtout à sa mère, avec qui bon on est en guerre depuis quasiment le début qu'on est là. Ils nous ont vendu une partie de leur terrain. Je vais pas m'étaler là-dessus, c'est pas le propos. Et pour le coup, j'allais raconter ma vie. Non, j'aime pas trop ça, c'est pas mon truc. Et bon, bref, depuis ce moment-là, ça a toujours été tendu avec des conneries de balancer. Tiens, petite anecdote dans les conneries de balancer, juste une comme ça. La clôture que j'ai mis moi-même tout autour, parce que j'en avais marre de voir ses enfants venir galoper chez nous. J'ai tout payé, j'ai fait l'installation moi-même et ainsi de suite. Depuis, elle dit que c'est elle qui a tout fait pour être tranquille des voisins. Bon, bref, alors t'imagines tout le reste. Ah là là. Alors, la solution trouvée depuis, c'est chacun chez soi et on se parle pas. Et là, là depuis, c'est dans la meilleure entente du monde. Vu comme ça, évidemment, ça peut que fonctionner. Alors, je crains quelques éclairs, quelques tirés de boulets de canon, entre guillemets, à chier trois coups, si j'allais cogner, ne serait-ce que cogner à la porte pour, déjà, ne serait-ce que ça, puis après poser la question sur qu'est-ce qui me parasite. Je sens le coup que je vais forcément me faire envoyer sur les roses, et que de toute façon, ce qu'ils ont branché, c'est du matériel homologué acheté dans le commerce. Et là, sur le coup, effectivement, ils n'auront pas tort. Et effectivement, oui, c'est compliqué, parce que même mon QRM éliminateur n'arrive pas à bloquer ça, quoi. Ouais,
quand c'est comme ça, effectivement, c'est compliqué. Je comprends tout à fait. Mais moi je dirais que. Moi je serais complet, j'irais quand même, on sait jamais, moi, sur un malentendu, comme dirait l'autre. On sait jamais, mais bon, c'est vrai que voilà, après c'est vraiment si pénible que ça, à un moment donné, il faudra essayer de trouver une solution. Donc poser la question peut-être, ouais, je sais pas. Mais bon, je comprends la situation. Ouais. Et quand c'est comme ça, du coup, c'est pas marrant. Voilà, j'ai laissé un blanc pour te montrer qu'il y a du monde derrière. Ouais, c'est sûr que là, c'est pas marrant, parce que c'est autant de problèmes qu'il n'y avait pas avant, hein. Et puis là, du jour au lendemain, paf, c'est tombé dessus. Je vois hier soir, vite fait, hier soir, je suis arrivé, il était quoi? Il était... ouais, oui, j'ai bien mis une bonne heure et demie de route pour rentrer. Donc, je suis arrivé là, il était 18h30, dans ces eaux-là. J'allume le TX, je vais voir s'il y a un petit peu de propag, je vais sur le 555, 9 plus 10 de QRM. Ah, bon, bah, de QRM électrique. Bon, bah, d'accord, ça c'est fait, on éteint le poste. Ouais, ouais, mais oui, affirmatif, quand c'est comme ça, oui, pour le coup, il n'y a plus grand chose à faire, quoi. Donc, je comprends, bon, c'est pas marrant, ouais. Il y a d'autres stations d'ailleurs, j'ai entendu là, qui modulaient. Donc on va peut-être laisser un blanc, on va voir, je ne sais pas en avant, là, si, je ne sais pas si c'est de mon côté ou du tien, on va bien voir. Est-ce que c'était pas Dolu 33 des fois, à tout hasard, qui nous envoyait les infos de la route? Ouais, c'est du 55 là de mon côté. Comme j'ai tout à l'heure, là, pour le coup, j'ai branché la caméra. Le bout que j'ai fait tout à l'heure avec le téléphone, comme je l'ai dit, là, je l'ai stoppé. Bon, tu m'as titillé, pour le coup, j'ai sorti l'artillerie lourde. Ah, si. Donc, tu pourras suivre l'évolution au niveau du signal jusqu'au bout. Hein. D'accord, je vois, tu vas rattraper, je sais plus si tu rattrapes, non, tu rattrapes pas Bordeaux, au cas où tu rattraperais Bordeaux, oui, tu vas tomber sur la sortie, je sais plus, 24 ou 25, un truc comme ça, quoi, c'est ça? Là, c'est compliqué. Ah. Oups. Alors, je sais pas si là, tu as relâché le micro. Au cas où, là j'étais un peu perdu là pour le moment. Hein. Bon là j'essaie de pédaler au maximum de mon côté là pour que tu arrives à m'entendre. Je pense que ça doit passer. Bon pour le moment là j'étais un petit peu perdu. Là faut que tu remontes à la surface là quand même. Là faut que tu ressortes un petit peu la tête là pour que je t'arrive à t'entendre à nouveau. Non mais c'est vrai que là il y a, comme tu l'as dit précédemment par là il y a les. Ah oui je vois le trou que tu parles. Avec tout le village justement là qui est dans le creux et tout ça là et les ronds toute la filée de, c'est pas des ronds-points c'est des haricots là qu'il y a là en bas là qui ou des ronds-points avec je sais plus là tout au long comme ça là le village il est placé sur une ligne droite hein.
Ouais, je vois très bien le truc. Mais t'as, je plains celui qui veut s'installer en fixe là sur ce village-là. Alors là, c'est pas la peine. Les seules fois il y aura du monde en fréquence, c'est les jours de propague, à condition que ça tombe bien sur sa maison. Ah bah oui, j'essaie de pédaler au maximum, là je ça va, je m'essouffle pas encore, pour que ça passe de ton côté, je suis trois coups. Non mais il n'y a pas de problème, après de toute façon, au bout d'un moment, je ne pense pas qu'on arrivera jusqu'à l'endroit comme ça, mais bon, on verra bien, je suis à dire, ouais. Il n'y a pas de problème, non, voilà, il n'y a pas de souci. Ouais, puis en plus, j'ai posé sur le terme de l'IM, là, il y a des marins, quand on arrive dans la ville, il y a beaucoup de QRM, c'est plus compliqué là, pour arriver à recevoir à l'AMF, dans la petite terre. Donc voilà, mais à chaque fois sorti, là, au milieu des lignes, ça va un petit peu mieux, voilà. C'est beaucoup plus calme depuis. Ouais, j'étais en train de regarder en même temps là au niveau filtre. Là, j'essaie de jouer là sur. Non, ça va là de mon côté. Là, avec le QRM illuminateur, en mettant, l'enlevant. Bon, j'ai pas de QRM CPL de mon côté, donc il ne fera rien de plus. Bon, c'est bon, ça passe. Hein. J'ai un niveau de QRM qui est assez minime. Mais bon, ça passe bien quand même. Enfin, ça passe bien, vu la distance, tout est relatif, hein, chi trois coups. C'est, vu la distance, vu où tu es, on va pas se plaindre. C'est, t'es avec quel poste, là, en ce moment? Je sais plus, j'ai oublié. Oh zut, Lincoln 2. Non mais quel con, moi, ce que je fais, moi. Évidemment que je le sais que c'est un Lincoln 2, quoi. Non mais n'importe quoi. Ah si, alors qu'il y a quelques minutes, tu m'as envoyé une vidéo, justement, avec le Lincoln 2 de poser sur le tableau de bord. Non mais, vraiment, quoi. Putain, oui, il y a des fois, je remets tourner trois fois ma langue dans ma bouche avant de sortir une connerie. Ou alors une plus belle que celle-ci, il va falloir que je m'entraîne là-dessus. Ouais. Non mais n'importe quoi, oui, voilà, je l'ai devant les yeux là en plus. Il est bien là où il est en plus, là, comme ça, le Lincoln 2 là. Ouais, c'est vrai que tu l'as bien placé. Quoi. Pour ma part, dans le push, je l'ai là, sur le côté du lever de vitesse. Et ce qui fait que ben, je vois pas toujours ce qui se passe dessus, loin de là. Comme en ce moment, j'ai un petit souci quand je passe en émission. J'ai le message qui correspond au squatch automatique qui s'affiche. 59 Lima Oscar November. J'ai regardé dans le bouquin, je vois pas du tout le rapport avec ce sifflement que ça me balance. Tu pourras voir ça dans la vidéo d'hier soir. C'est assez curieux, je comprends pas trop. Je sais pas. Pour l'instant, je cale sur sur ce qui pourrait me déclencher ça. Là, il me faudrait du zéro de QRM pour l'entendre. J'ai entendu un peu la fin, c'était un peu compliqué, tout le reste, tu verras, c'est pas passé, je veux dire.
L'installation que j'ai dans le push, ouais, surtout qu'en plus de ça, quand on s'est vu avec Isabelle, c'était en plein pendant la période d'activation des X, du contest des X ERC Kilomac. Donc, j'avais tout chargé dans la voiture, les éléments de tube, l'antenne, j'avais tout mis, le porte-vélo qui vient s'accrocher sur le porte-bagage à l'arrière, le porte-bagage, n'importe quoi, sur l'attelage à l'arrière du push, pour être de suite prêt, là, en quelques minutes, là, pour le contest DX. Mais hélas, le contest, avec le boulot, ceci, cela, ce que je fais sur Internet et tout ça, le forum, tout ça, eh bien, j'ai pas pu. Ça me fait chier. C'est tout le monde disait que 3 mois, ça fait trop long. Ben, en attendant, les 3 mois, je les ai pas vus passer. Et j'ai pas eu le temps pour le coup là de sortir l'installation, de sortir tout ça et vite me mettre sur une colline quelque part pour faire le contest. Car je sais pas, c'est chacun un petit peu son point de vue à ce niveau-là. Mais pour ma part, faire un contest DX depuis le QIRA, moi perso ça me donne moins envie. C'est alors que aller me mettre un endroit, un point haut, quelque chose avec le push, il y a le jeu là qui est là en plus. Et c'est ça que là pour le coup j'ai pas eu le temps là pendant ces 3 mois de contest d'arriver à faire quoi. Enfin bon bref, c'est pas grave, il y aura d'autres fois de toute façon quoi. Il passe encore un petit peu. On peut pas tout faire non plus, c'est sûr. C'est sûr qu'on peut pas tout faire. C'est sûr, hein, à un moment donné, on a que deux bras, deux jambes, et puis c'est tout. Hein, on peut pas se diviser, hein, c'est clair. Hein. Là, tu m'as très très QRP là de mon côté. Hein. Je sais pas où t'es rendu, mais c'est tu es limite au niveau du QRM que j'ai au QRA, du petit QRM que j'ai au QRA. Du coup, ça me fait une radio de 1-2. Et bon, c'est vraiment du décortiquage que je fais de mon côté. Mais ça arrive à passer encore un petit peu. Hein. Faut vraiment que j'ai l'oreille bien affûtée là pour arriver encore à comprendre ce que tu me dis. Ah, chie 3 coups. Ah, ça remonte. Là, t'es remonté à Santiago 2-4, radio 3-4. Donc là, c'est bon, toi, là, ça a remonté. T'es peut-être en hauteur, ou c'est peut-être la zone qui fait que, peut-être zone plus humide, je sais pas. Là, qui fait que, là, ça passe déjà un peu mieux, là, par rapport à ton précédent passage. Oh putain, je l'ai reperdu à nouveau. Voilà, ça replongeait à nouveau. Là, j'arrive à te sortir encore un petit peu. Là, on est vraiment le limite là, au niveau portée, sachant que toi, tu es en mobile.
Là, on est vraiment, vraiment limite. Je serais curieux de voir Sainte-Colombe-Langon, combien ça fait de distance. On est assez limite, sachant quand même qu'il y a pas mal de relief entre nous deux. Faut tenir compte de ça quand même. Même si la Sibie, c'est pas comme le PMR. Le PMR a besoin de fonctionner à vue, on va dire. Faut pas d'obstacles, surtout pas de collines en tout cas. Là, bon, d'accord, ok, ça épouse des formes, hachis, mais ça arrive vraiment, vraiment à ses limites là. Il est rendu. T'arrives encore à passer? Ça arrive encore à passer. Tiens, je vais en placer une. Ça me titille. C'est là qu'on voit l'avantage de l'analogique sur le numérique. Tout le monde s'amuse à dire... même la 8e merveille du monde, Hachi-Croico, et bien là, il y a longtemps qu'en numérique, on n'arriverait plus à se parler. Alors que là, en analogique, et bien on continue à pouvoir se parler, même si les signaux sont très très faibles. Ça arrive encore à passer. Ouais, ouais, affirmatif. Alors, je me suis amusé à un petit jeu hein, depuis tout à l'heure où tu étais là, pas loin de chez moi. J'avais réglé le volume à un certain niveau. Je l'ai laissé comme ça jusqu'au moment où là, à l'instant, je viens juste de remonter le volume. Et là, je t'entends à nouveau avec une bonne radio de 4. Alors, tu vois, ça passe encore bien. Hein. Ça arrive encore à passer assez bien de mon côté. Ça commence à être du rail aussi, ben oui, t'es en plein dans l'Angon, donc entre les bâtiments et ceci et cela, t'arrives encore à passer un petit poil, j'ai dû remonter le volume encore un peu plus, mais bon, ça arrive encore à passer, mais là on voit qu'on est vraiment sur la limite, et vu ce que tu viens de me dire, ben de ton côté aussi, pourtant là je pourrais pédaler encore un peu plus, mais non, après je risquerais d'être trop essoufflé. Donc ok, ben, je crois qu'on va valider le test hein, jusque-là là, pour une condition sans aucune propague. Donc c'est quand même pas mal. Langon, Sainte-Colombe, Langon, en plus t'es en pleine ville, Sainte-Colombe, moi aussi je suis en plein dans le village, et dans le trou du village en plus. Donc les conditions sont pas optimales de chaque côté, et ça arrive encore à passer un peu. Donc c'est super. Bon, je pense qu'on va arrêter là le test, puisqu'après, bon là, ça va devenir du n'importe quoi, on n'arrivera plus à se copier. Bon, je vais t'envoyer les bases sur 1351, je m'occupe de ça au plus vite, de la vidéo au plus vite, et comme ça tu pourras voir ce que ça donne. Allez, les bases sur 1351 à toi, merci pour ce QSO, pour cet accompagnement. Alors, petit truc pour les stations qui vont regarder, qui vont encore râler et tout, là, on est sur le 19, oui, on est sur le 19, je sais, on est sur le 19. Mais le 19, c'est le canal de la route, et là, de cette façon, nous, on montre qu'il y a du monde, en fréquence, et que n'importe qui peut en profiter, peut prendre des micros, et puis en avant roule. Et le jour où il y aura trop de monde sur le 19, comme dans les années 80-90, eh bien, il n'y a pas de souci, on fera tout naturellement QSY.
Voilà. Hachi, voilà ce que je viens de dire là, c'est surtout pour la vidéo. Comme ça, les râleurs, il va y en avoir forcément. Les grincheux, il va y en avoir. De toute façon, vive la France. Hachi, allez, je te laisse. Merci pour ce QSO à nouveau. Et je parle à l'envers. Moi. Et bonne journée à toi. Et je m'occupe de la vidéo, il n'y a pas de problème. On devine encore à poil. Il est là derrière. Ah, là, on l'a perdu. Les 73-51 à la station de la part de Dindy 33. Et bonne journée. Et bien voilà qui rejoint ce que je viens de dire juste avant. Et ça, c'est pas du montage. Ah ben oui, c'est eux qui viennent faire ce QSY. Alors ce que je disais là, juste avant, niveau QRM. Ah, ça a baissé là. Je pourrais même faire de la musique avec. 9, ouais. Oh la vache. Les 73-51, bonne journée à tous et bonne route.